Mesdames et messieurs, bonsoir. Trois sujets sont sur la table des échanges de ce numéro de troisième mi-temps. Il sera question de la nécessité ou non de l'envoi de supporters ivoiriens au Brésil à l'occasion du Mondial de football de 2014. Nous parlerons également de Mercato et de la fin relative de la crise qui a secoué la famille du handball ivoirien ces derniers temps. Bonsoir messieurs sur ce plateau. Aimé Brière, Tibé Kipré, Koulibaly Seydou, Chualio Diomandé. Première préoccupation, les Rififi qui ont embrumé le handball ivoirien ces derniers jours sont-ils enterrés pour de bon? Esquisse de réponse dans cette déclaration. Une déclaration commune de sortie de crise. Suite aux séances de concertation des 5, 6 et 10 février 2014, tenues au ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et des Loisirs, sous la présidence du ministre, les acteurs du handball, répondant à l'appel à l'union de la tutelle, se sont accordés à œuvrer ensemble dans le cadre du fonctionnement de la Fédération ivoirienne de handball, présidée par le docteur Werega Joseph. À cet égard, le ministre a pris acte des points d'accord relatés dans le procès-verbal, dont notamment la révision des textes aux standards internationaux lors d'une assemblée générale regroupant l'ensemble des clubs avant le 15 mars 2014 et la mise en place d'un comité paritaire devant procéder aux réglages techniques nécessaires. En présence de Monsieur le ministre, l'accord ainsi scellé ce jour lundi 10 février 2014 met fin à la crise qui prévaut au sein du handball ivoirien depuis le 20 janvier 2013. Fait à Abidjan le 10 février 2014, ont signé le club et centre de formation, M. Zéhi Sébastien, la Fédération ivoirienne de handball, le Dr Werega Joseph, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, M. Moumouni Sila. Voilà, messieurs, le couvert est mis. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, qui rassemble et écoute la famille du handball ivoirien, en la forme, on peut le dire, c'est bien une démarche propitiatoire. Tout à fait, Ricardo, comme tu le dis si bien. On serait tenté de dire, tout est bien qui finit bien, mais on va certainement y revenir. Alors, c'est la fin qui justifie les moyens, et la fin, c'est le consensus autour de la petite balle. Et c'est la première leçon qu'il faut retenir, la nécessité de réaliser un consensus au-dessus des intérêts personnels. Alors, nous avons vu dans cet élément, Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. Nous avons vu également Monsieur Zéhi Sébastien, qui est un des acteurs de cette crise, il faut bien le dire. On aurait pu voir Monsieur Amani, on aurait pu voir Obé, qui sont des personnalités marquantes de notre handball. Et là, nous devons retenir principalement la leçon qui est sortie, n'est-ce pas, de ce communiqué, la nécessité de réaliser un consensus pour faire progresser le sport. Et ici, il s'agit de la petite balle. Alors, je voulais demander la gravité des visages à la lecture de cette déclaration n'enlève certainement rien à son contenu. Non, moi d'abord, le contenu du communiqué me laisse perplexe parce que j'ai l'impression que cette crise n'est pas finie. Parce qu'effectivement, il y a une volonté du ministre de ramener la paix au sein du handball. Mais lorsqu'on me dit qu'il y a une révision des tests, au plus tard le 15 mars, mais on parle de quel test? Parce que si j'ai bonne souvenance, il y a déjà eu une AG où les tests ont été révisés. Et ces mêmes tests ont été déposés à la Fédération internationale du handball, à l'IHF, qui a fait des recommandations, et ces tests-là ont été adoptés en Assemblée générale par les clubs majoritaires. Mais aujourd'hui, on nous parle de révision des tests. Moi, je m'interroge, de quels tests parle-t-on? Parce que déjà, si la Fédération internationale a homologué ces tests-là, qu'est-ce qu'on va réviser?
quelles tâches ils vont réviser. Il faut qu'ils nous expliquent un peu. Comme tout à l'heure, on aura M. Zéhi Sébastien au téléphone. Il faut qu'ils nous expliquent un peu. Parce que moi, j'ai peur qu'il y ait encore un autre blocage au niveau de la révision des tests. Puisque les clubs qui disent majoritaires, d'après ce que j'entends par ici, ne sont pas d'accord sur ce point-là. Puisque, et puis, ça fait désordre. C'est-à-dire que, je prends un exemple, la Fédération Ivoirienne de Football qui révise ses tests, qui ramène ça à la FIFA, et puis la FIFA ramène ça à la Fédération Ivoirienne de Football. Après, il y a un ministre qui s'élève qui dit non, il faut réviser les tests, les mêmes tests. Attends, ça fait un peu désordre. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, il faut qu'on nous explique très bien la révision des tests, de quels tests parle-t-on. Ça, c'est d'abord ma première préoccupation. Alors, on a des acteurs qui nous suivent, hein, des acteurs du handball ivoirien qui nous suivent certainement ce soir. Si nous avons l'un quelconque d'entre eux à l'antenne ou au téléphone, il faut nous aviser, on va entrer de plein pied dans le débat. On va appeler M. Zéhi Sébastien. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Zéhi. Alors, est-ce que nous n'avons pas le retour sur le plateau? Allô? Bon, en attendant que les choses rentrent véritablement dans l'ordre, votre appréciation, Koulibaly? Oui, je suis de l'avis de Choualiou. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut recommander une révision des textes. À partir du moment où, quand il y a eu la crise, il y a eu une révision des textes et il y a eu des élections qui s'en sont suivies, chapeautées par le Comité national olympique, qui est Allô? Le garant, à mon avis, de tout le sport sur le territoire ivoirien, et qui a été quand même suivi par la Confédération africaine de handball et la Fédération internationale de handball. À partir du moment où les textes ont été adoptés à ce niveau, je ne sais pas qu'est-ce qui peut amener aujourd'hui ces parties-là au niveau de ce nouveau contrat qui vient d'être signé à demander une nouvelle révision des textes. Ça, c'est le premier problème. Et puis, on le sait, le handball, depuis un moment, ça a été du rififi. Ça a été vraiment un véritable désordre. Il y avait une fédération qui fonctionnait, qui n'était pas reconnue par le ministère, et il y avait des clubs affiliés au ministère, ce qui n'est pas d'ailleurs normal, parce que les clubs ne s'affilient pas à un ministère, mais s'affilient plutôt à une fédération. Et la fédération a ses règles. Donc il y avait déjà un problème à ce niveau. Maintenant que ces clubs qui étaient affiliés au ministère rejoignent la fédération, c'est une très bonne chose. Que ces clubs-là n'imposent pas leur dictat. Je pense qu'il y a un gros problème là. Voilà, on arrive à vous, Thibé Kipré. Le temps de prendre le président Zéhi Sébastien. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Alors, oui. Alors, nous soulignons il y a quelques instants la gravité de vos visages autour du ministre des Sports. Est-ce que vous êtes satisfait du contenu de cette déclaration que nous venons d'entendre? Ben oui, nous sommes satisfaits. Si les visages étaient graves, c'était dans l'impatience de la fumée blanche. Donc, nous sommes réellement satisfaits. D'accord, cela veut dire que... C'est un aboutissement heureux, en tout cas. Oui, cela veut dire que tout est rentré dans l'ordre. Il n'y aura plus de palabres au sein de la Fédération ivoirienne de handball. Sauf par extraordinaire. Sinon, pour ce qui nous a opposé, je crois que la hache de guerre est enterrée. Hein. Alors, vous avez certainement entendu les interventions de Choualiou Diomandé et de Koulibaly qui se sont appesantis un tant soit peu sur la révision des textes proposés. Alors, qu'en est-il exactement? Bon, ces textes, nous voulons les réviser de concert. C'est-à-dire qu'une révision a été faite malheureusement sans nous, parce que c'était au plus fort de la crise. Donc maintenant que ces textes sont révisés, il faut que nous y jetions un coup d'œil. Si dans nous avons des observations à faire, on les produira. Si ces textes sont conformes à notre vision et que nous n'avons pas d'observations à faire, il n'y aura aucune observation. Mais il faut absolument que nous y jetions un coup d'œil. Et si vous y alliez que les autres ne trouvent pas le consensus ou bien d'emblée
ils seront d'accord avec ce que vous apporterez à ces textes. Non, mais certainement qu'ils ne seront pas d'accord, mais nous visons le consensus général. Nous visons le consensus général. Voyez-vous, les textes de la Fédération ivoirienne de handball ont toujours fait l'objet de révisions tous les deux ans. Donc ce n'est pas parce qu'ils sont frappés de l'endosse de l'IHF qu'aujourd'hui on ne peut pas les réviser. Hein, c'est une continuité d'action et je pense que parce que nous nous sommes mis d'accord, il faut que au niveau de les têtes qui vont nous régir, il faut qu'on se mette d'accord également. Voilà. Merci. L'invité est à vous. Oui, intervenir. Allez-y. Je voulais souligner quelque chose. Déjà, il y a quelques mois, les deux parties ne pouvaient même pas s'asseoir autour d'une table pour échanger. Et le fait de se retrouver déjà au ministère, autour d'une table, avec le ministre, c'est déjà une avancée notable. Ça, il faut le souligner. Mais je voulais dire que, comme Koulibaly le disait tout à l'heure, les clubs ne peuvent pas s'affilier au ministère. Ce n'est pas possible. Le ministère assurait une transition parce qu'il y a eu un problème aux élections. Et il y a eu un problème aux élections le 20 janvier. Donc, quand il y a eu le cafouillage, le ministre a décidé, comme il y a un problème, moi je vais désigner quelqu'un pour assurer la transition sur un temps, sur 10 mois. Et après, quand tous les problèmes sont aplanis, on va y aller. Est-ce que vous voyez? Donc, les clubs ne sont jamais affiliés au ministère. Déjà, il faut que ce soit clair. Voilà. Alors, au niveau des sillons que le ministre traçait pour sortir durablement de cette crise, il a suggéré aux différents clubs de s'abstenir de participer aux compétitions internationales pour cette saison, le temps de mieux s'aguerrir et d'attaquer certainement l'Afrique la saison prochaine, en 2015. Est-ce que cela ne va pas avoir un impact fâcheux en termes de condamnation à des paiements d'amende, par exemple? Non, s'il s'agit simplement d'amende, la Fédération ivoirienne de handball a certainement les moyens d'assurer. Mais là, vous avez évoqué quelque chose de très important, c'est le rôle du ministère de la promotion de la jeunesse et des sports. Nous sommes heureux de le voir assis autour de la table du consensus. Mais seulement, que de chemin parcouru jusqu'à ce moment précis. Alors, nous allons juste évoquer certains faits pour qu'ils servent de leçon, en fait. Pour qu'ils servent de leçon, parce que qu'est-ce qui s'est passé et quelles sont les questions qu'on se pose, n'est-ce pas? D'où est venue cette fonte qui a contribué à la division du handball ivoirien, d'accord? Et il y a certainement quelqu'un qui tirait les ficelles. Est-ce que vous comprenez? Les différentes phases nous ont montré qu'il y a une structure ou un personnage qui tirait les ficelles de ce ramdam. D'accord? Et nous ne voulons pas nous arrêter, nous ne voulons pas les évoquer pour revenir sur des faits. Hein, non, nous voulons les évoquer pour dire que ça doit nous servir de leçon. Laisser à la fédération le rôle de gérer le sport et laisser au ministère, qui est la structure de tutelle, le rôle de superviser, de tout superviser et d'être le point d'appui, non pas d'une seule part des acteurs, mais de tous les acteurs. Voilà ce qu'il y a. Il faut que cela serve de leçon, parce que qu'est-ce qui se passe? Que de temps perdu quand on parle d'argent. Ce n'est pas de l'argent qu'il s'agit, c'est de perte de niveau. Nous sommes compétitifs au niveau des dames, mais aujourd'hui, regardez par exemple, la Tunisie est là et la RDC s'est engouffrée dans la brèche laissée par le Congo et l'Angola. Chez les hommes, on n'est même plus compétitif. Hein. C'est les pays du Maghreb qui sont là, Algérie, Égypte, Tunisie, on ne peut plus compétir. Tout ça n'aurait-il pas pu être évité? Je l'évoque non pas pour raviver des tensions, mais pour dire qu'il faut que cela serve de leçon et pas seulement pour le handball. Bon, moi, ce que je voulais ajouter, je pense que le ministère essaie de jouer un peu de diplomatie. Parce qu'il y a eu deux championnats, ça, il ne faut pas se voiler la face. Il y a eu deux championnats en Côte d'Ivoire l'an dernier. Il y a eu un championnat organisé par la Fédération ivoirienne de handball et il y a eu un championnat organisé par le ministère des sports. Donc il y a eu deux champions. Ne pas entendre. Voilà. Non, il n'y a pas eu d'affiliation au ministère. Voilà. Donc il y a eu deux champions, un champion pour le ministère et un champion de la fédération. Il y a eu un vainqueur de la coupe du ministère, un vainqueur de la coupe du ministère. Dans cette situation, quel est le champion qui doit représenter la Côte d'Ivoire au championnat d'Afrique des clubs champions et quel est celui qui doit aller à la coupe des vainqueurs de coupe? Je pense que là il y a un problème qui se pose. Alors également. Je vous prends au mot pour dire que s'il y a déjà deux entités, on va dire tout de suite que les difficultés ne sont pas rabotées, pour autant. Donc, à partir de ce moment, il y a un problème qui se pose.
Mais il y a une autre possibilité. C'est que les clubs, même si le ministère refuse de laisser les clubs, de dire, bon, nous, on ne soutient pas les clubs, on ne finance pas, il y a des clubs qui sont capables de s'autofinancer et d'aller. Voilà, l'Africa est déjà partie l'an dernier à ses propres frais. Et je pense que l'Africa serait peut-être capable encore cette année de partir à ses propres frais. Est-ce que dans ce cas de figure, le ministère est capable de dire, non, l'Africa ne part pas à la Coupe d'Afrique comme cela s'était passé l'an dernier avec tout le folklore qu'il y a eu autour? Alors on va tirer les conclusions. S'il te plaît. S'il y a, on estime que il y a eu un championnat d'un côté, d'un autre côté, c'est qu'il y a problème. S'il y a eu deux championnats, c'est qu'il y a problème. Et c'est ce problème-là qu'on est en train de chercher à résorber maintenant. Où est le mal? Si on doit, si ça reste comme ça, le handball, ça va à volo depuis longtemps. L'Angola. Les Angolais sont venus apprendre le handball ici en Côte d'Ivoire. Regardez leur niveau, regardez le nôtre. Non, mais là n'est pas le problème, Tibé. Non, je pense qu'il faut régler ce problème une fois pour de bon, pour qu'on puisse avancer. Mais tu penses qu'aujourd'hui, le ministère peut organiser un championnat de football et la fédération ivoirienne va organiser un championnat de football? Ce n'est pas normal. Quel est le champion qui va être reconnu? Non. C'est le champion de la fédération. C'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème, justement. C'est parce qu'il y a problème. Tout le monde, allons-y, écoutons-nous. Tout le monde sait qu'il y a problème, mais c'est la façon dont le problème est réglé qui nous fait discuter. Okay, est-ce que toutes les dissemblances sont aplanies aujourd'hui? Non, moi je n'y crois pas. je vous dis la vérité, je n'y crois pas. Avec ce que j'entends de part et d'autre, je n'y crois pas. C'est vrai qu'il y a une volonté d'aller à la paix, mais la façon, les stratégies pour aller à cette paix-là posent problème. Parce que tout à l'heure, je voulais dire à Tibé, lorsqu'il dit que ces clubs n'étaient pas affiliés au ministère. Mais quand ces clubs-là n'ont pas reconnu la fédération, ils étaient affiliés à qui pour jouer leur championnat? C'est au comité qui a été mis en place par le ministère. Donc automatiquement, ces clubs sont affiliés au ministère, ce qui est anormal. Des clubs ne peuvent pas s'affilier à un ministère pour organiser un championnat. Ce n'est pas le rôle d'un ministère des sports d'organiser un championnat. Les championnats sont organisés, les coupes sont organisées par la fédération. C'est de cela qu'il s'agit. Le ministère a un rôle de régulateur. Mais pourquoi ces clubs n'ont jamais reconnu? Comme Pierre est en train de le dire, si vous dites que le ministère a un rôle de régulateur, c'est ce que Aimé disait il y a quelques instants, pourquoi a-t-il mis tout ce temps pour intervenir comme il le fait maintenant aujourd'hui? Moi, je pense que il a été induit en erreur. Il ne faut pas avoir à se cacher. Il a été induit en erreur. Il y avait des vautours autour du ministre qui avaient des comptes à régler avec les uns et les autres. Pendant un an, la crise a perduré parce qu'il y avait des problèmes de personnes. Et aujourd'hui, il a compris qu'il y avait un problème. Et aujourd'hui, le ministre, avec l'expérience qu'il a acquis maintenant du milieu, il a compris qu'il a été sans doute induit en erreur. Il est en train de sortir tout doucement de la crise pour essayer de ne plus qu'on dise qu'il s'ingère dans les affaires du handball. Mais il est en train de comprendre, ils ont tout doucement, il s'en sort. Voilà, c'est une discipline que nous aimons tous. Il faut y aller avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'équanimité, et puis permettre à cette discipline d'aller de l'avant, cette discipline qui nous a donné beaucoup, beaucoup de satisfaction sur le plan international notamment. Donc il faudra s'accorder sur un consensus, laisser tomber beaucoup de choses pour relever à tout le moins la tête au niveau, bien sûr, de la famille du handball. On va changer de sujet et parler maintenant de mercato. Peut-on raisonnablement parler de mercato en Côte d'Ivoire? Avant d'y répondre, il faut préciser que le mot mercato, bien entendu, est un italianisme qui signifie marché. C'est donc le marché des échanges de joueurs. Il a lieu généralement à la mi-saison, c'est-à-dire une période qui permet aux différents techniciens, aux différents staffs techniques des clubs d'essayer de ravauder, de raccommoder, de donner un peu d'allure au secteur qu'ils ont jugé sans beaucoup de production et donc de les renforcer. C'est donc cette période-là qu'on appelle le mercato. On est sur le même niveau d'information à ce sujet. Et donc, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, comme je le disais, est-ce qu'on peut véritablement parler de mercato? Moi, je pense qu'on peut parler de mercato, puisqu'il y a des mouvements. Il y a des mouvements de part et d'autre.
lorsqu'on jette un regard sur... Et quand je pose la question, c'est sur tous les fruits de ouais. ce marché. Ouais. Lorsqu'on jette un regard un peu sur ce qui se passe... Est-ce que ça change des choses dans les clubs? Oui, je pense que ça va changer. Parce que quand tu prends une équipe comme le COE, qui a fait signer Akourovi Eden, Mansour Kouakou, et je vous l'apprends, Zougoura Kevin revient au COE, dans les jours qui viennent, vous aurez la confirmation. Donc Zougoura qui va revenir. Donc d'abord, au niveau du COE déjà, vous pensez... Qu'est-ce qui n'a pas marché vous dites, pour lui, qu'est-ce qui n'a pas marché ouais, il a été induit en Europe par des agents véreux. Qui lui ont fait miroiter. Il n'a même pas fini son contrat. Il est parti, la balle est dirigeante. C'est là le problème. Donc, Zougoula est en train de revenir au COE. Vous prenez l'Africa Sport. L'Africa Sport qui a fait signer trois Nigériens qui nous viennent du Shooting Star de Astrakhan. Et puis l'Africa Sport aussi, qui est très actif sur le marché. On annonce l'arrivée d'un entraîneur, un nom qu'on connaît déjà très bien. Un joueur de l'Étoile de Ouaga. De Ouaga. Côté de l'Africa. Oui, on annonce. Un joueur du Stella également sur le plan local. On annonce Jean-Jacques Edili, l'ancien joueur de Marseille, qui est annoncé à l'Africa comme entraîneur de l'Africa Sport. Les jours à venir, peut-être qu'on va le voir à Abidjan. Donc, pour vous dire qu'au niveau des mouvements, on sent un petit. Ça bouge. Un fournissement, quand même. Ça bouge. Et puis la SEC aussi qui fait signer Kango Simon. Je pense qu'au niveau des clubs, ils sont en train de se renforcer. Ils ont maintenant compris qu'il faut effectivement se renforcer. Je pense que la deuxième phase du championnat sera plus intéressante par rapport à la première. Vous disiez tout à l'heure, si on peut parler mercato, oui, comme on dit, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, on fait avec notre mercato. Ceci dit, moi, je n'ai pas trop compris le recrutement de la SEC, franchement. La SEC peine en attaque. Au milieu du terrain, ils ont du monde. Tu as le Camerounais, comment il s'appelle, j'ai oublié, Evondo. Tu as Sekiri Mak. Tu as plein de joueurs au milieu. Fouba Steven, tu as Zagbayou. Et bon, on va chercher un autre milieu pour venir faire quoi? Ils ont des problèmes en attaque. Moi, je pense que j'ai cru voir un bon attaquant venir soit du Nigeria, d'un coin. Mais je ne sais pas, je n'ai pas trop compris ce recrutement-là, franchement. Amen. Oui, alors c'est une période qui a été laissée à la disposition des clubs pour s'oxygéner. On arrête le championnat et puis on permet aux clubs de se renforcer. N'est-ce pas? On parle de joueurs, mais ça peut également concerner les entraîneurs. Mais pour les entraîneurs, le mercato avait déjà commencé depuis longtemps pour l'Asie, pour Bassam. Et puis quel autre club encore? Et le Stella. Les entraîneurs ne sont pas concernés. Ils sont concernés par le mercato. Voilà. En cours de saison, on peut virer un entraîneur et puis le remplacer. Voilà. Ce qui n'est pas le cas des joueurs. Oui. Voilà. Maintenant, il y a forcément des écuries qui vont perdre certains de leurs poulets et non pas des moines. Oui, l'Africain en a libéré 6. Le Stella est sollicité pour un de ses joueurs cadres. Hein. C'est celui certainement qui a lancé dans un club. Mais voyez-vous, il faut un mercato qui tende à consolider la base du championnat, le caractère spectaculaire du championnat. Mais si les clubs prennent les uns aux autres leurs meilleurs éléments, finalement, je ne suis pas sûr que l'objectif soit atteint. Quand lors du mercato, on recrute même des joueurs de Ligue 2 ou bien des joueurs qui viennent de l'étranger, on peut comprendre hein, qu'on veut vraiment apporter une plus-value à ce que l'on produit déjà. Mais quand on appauvrit les autres clubs sans forcément que ça constitue une source d'enrichissement de pour soi. Je ne pense pas. Je pense que cette période avant, cela n'existait pas dans notre championnat. Mais tout à fait. Il y avait un marché entre les saisons. En début de saison. Maintenant, on respecte les dates FIFA. Il y a un mercato ouvert en Europe, il y a un mercato ouvert un peu partout, même en Amérique du Sud et partout, où il y a des grands championnats. Donc en Afrique aussi, chez nous aussi, il y a un mercato qui est ouvert. Donc, mais cela permet au club, déjà on est à mi-saison, on a joué la phase aller des championnats, et il y a certaines équipes, chaque équipe connaît maintenant ses forces et ses faiblesses. Donc il faut se renforcer. Et les équipes mutuellement, c'est des échanges de joueurs. Vous voyez, des échanges de joueurs, on a parlé tout à l'heure de Zougoula. Le COE a eu un problème au niveau de l'attaque. On a fait revenir Zougoula. Zougoula va revenir. Gagnoua, on a vu. Gagnoua a eu un essoufflement au niveau de l'attaque. Il y a Dogo Seri qui va revenir, justement. Et chaque équipe, chaque entraîneur connaît ses besoins et essaie plus ou moins de rafistoler. Gagnoua, il y a deux joueurs qui partent. Est-ce que, comme en Europe, nos clubs ne gagnent pas beaucoup?
ne gagnent pas. Sur le plan financier, il ne faut pas se voiler la face. On n'a pas des échanges fructueux où on paye un joueur et puis il y a une plus-value quand on le revend. En prenant par exemple le cas de Thauvin qui a été payé à peine 3 millions, qui a été revendu à l'OM 15 millions. Donc, ce n'est pas ce genre d'échange. Mais les clubs, ça permet quand même de rééquilibrer le championnat. Et vous allez voir que dans la deuxième phase du championnat, il y a beaucoup d'équipes qui vont changer de visage. Et très souvent, c'est là. Et cette deuxième phase du championnat, c'est déjà le 22 février prochain. On va démarrer à Gagnoa avec un certain Africa Sporting Club de Gagnoa. On a parlé juste là de la SEC de l'Africa. On a oublié le club Omnisport de Boisflay. On va avoir Boudo Mori. Bonsoir, coach. Bonsoir, Boudo. Oui, allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, Boudo. Oui, allô, bonsoir. Voilà, alors, les mouvements Club Omnisport de Boisflay, vous avez recruté qui? Vous avez libéré qui? Oui, nous avons recruté quand même quelques joueurs pour pouvoir nous renforcer, notamment Koué Boumane. Oui. Nous avons aussi un gardien de but international burkinabé, Ouattara Abdoul Mohamed. Oui. Oui, nous avons aussi, en provenance de la GCA également, Kouyo Belia Stéphane, latéral gauche. Oui. Alors, qu'est-ce nous qui... avons aussi Derou Franck Roussel, milieu de terrain défensif venant de la GCA. Oui. Et nous avons aussi pu recruter un monsieur comme Bosson Mia Arnaud qui nous vient du Ghana, Chelsea Berekoum. Voilà, nous avons aussi Héritier Gauthier José, aussi ancien joueur de la JCA. Voilà un peu les têtes que nous avons qui sont connus du public ivoirien, mais en dehors de ceux-là, nous avons d'autres joueurs avec qui nous sommes en train de discuter. Nous espérons finir la discussion en fin de semaine. Voilà. D'accord. Alors, vous avez écumé pratiquement la JCA. Alors, qu'est-ce qui a posé problème dans la première partie du championnat au niveau du club Omnisport de Boisflay? Ricardo, nous n'avons pas vidé la JCA. Les joueurs de la JCA, nous n'avons plus à avoir. C'est des joueurs avec qui nous avons travaillé, qui connaissent notre méthode de travail. Ah, oui. Et qui connaissent un peu notre philosophie du football. Et la raison pour laquelle nous avons opté pour ces joueurs-là. Et puis, ce qui n'a pas marché pour nous dans la deuxième phase, je pense que c'est le recrutement en début de saison qui a été raté. Oui. Voilà, nous avons eu des joueurs qui venaient de la plupart de la Ligue 2 et puis de la Division 3. Donc, ces joueurs-là n'avaient pas le niveau de la Ligue 1. Donc, voilà ce qui nous a posé problème dans la première phase. D'accord. Alors, merci, coach. Et on vous souhaite beaucoup plus de chance pour cette deuxième partie du championnat. Ok, merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci. Oui, Chouadion. Au niveau des transferts, c'est-à-dire du recrutement et mercato, mais je pense que les clubs engagés en compétition africaine sont souvent désavantagés. Parce qu'il faudrait que la Fédération ivoirienne de football puisse adapter sa période de transfert à celle de la Confédération africaine de football. Parce que vous prenez le cas d'une équipe comme la SEC, si la SEC recrute des joueurs, la SEC sera obligée d'attendre, souvent, puisque le recrutement à la CAF, la licence CAF, c'est 30 novembre. Après le 30 novembre, il ne peut plus qualifier de joueurs pour la Coupe d'Afrique. Je pense qu'à ce niveau-là, ça fait 2 ans que le club tente de régler ce problème avec la fédération. Il faudrait que la fédération puisse vraiment être attentive aux préoccupations des clubs, surtout nos clubs qui sont engagés en compétition africaine. Parce qu'il ne sert à rien de payer des joueurs chèrement et tu ne veux pas les utiliser en compétition africaine. Je pense que là aussi, c'est vraiment la fédération doit revoir ça pour que nos clubs engagés en compétition africaine puissent utiliser les joueurs qu'ils ont, qu'ils recrutent. Puisque aujourd'hui, si la SEC fait venir un Ghanéen ou un Nigérien, ce n'est pas sûr que la SEC puisse l'utiliser. Il faut attendre l'autre phase de la compétition pour utiliser ces joueurs-là. Donc, il faut vraiment revoir ce problème-là. Tu veux? Oui, je pense que Charles a entièrement raison. Je suis d'avis avec lui. Je voudrais parler du club là, de l'AS Standard, qui était très, très actif sur le marché. En début de saison, ils ont pratiquement, remodelé tout leur effectif. Aujourd'hui encore, là, ils viennent de libérer 12 joueurs pour en faire venir 6.
12 joueurs dont Kwame Désiré Magloire qui était en Africa. C'est un renfort, c'est un remplacement intégral. Hein. Souris Smaro qui était à l'Africa aussi, le rouquin. Et ils ont, j'allais dire, enregistré l'arrivée de Dion Sedemak qui vient de la Thaïlande, de Doba Serge qui était à la SEC Africa, qui a fait un tour aux États-Unis, en Angleterre, qui est revenu aussi. Ils ont fait quatre recrues de taille et puis deux jeunes de l'académie. Mais je veux dire, tout le temps, leur effectif est chamboulé. Est-ce que ça peut permettre à l'équipe de se stabiliser pour faire des résultats? Oui. Oui, effectivement.